Écoutez l'overmove. Mais impossible, le devoir m'appelle. Pas de repos pour la pire des pires sœurs. Debout, cervelle, debout. Mais qu'est-ce qui se passe? Flash spécial, ce matin, Nina va relever l'incroyable défi de faire punir son frère 3 fois d'affilée. Une réaction microbe? N'importe quoi! Capitaine Courgette, ne crains rien ni personne! À part l'eau des toilettes! Yaha! Rends-moi ça, l'alien! Viens chercher, tétard! J'aimerais tellement rester au lit. Oh non, encore. Tom, privé de télé. Tu pourrais te couper en plus. Plus que 2 microbes. Dans tes rêves, repli immédiat. Je sortirai plus jamais. Comme ça, je casserai plus rien. Et je me ferai plus jamais punir. Mince. Tom. Bah, t'es pas Tom. Bravo, t'es physionomiste cafard. Tom est dans sa chambre. Il est puni? Pas exactement. Il a refusé de sortir de sa chambre quand maman lui a demandé de venir manger. Alors elle l'a privé de jeux vidéo. Et comme Tom refusait toujours de sortir, maman a dit... Ah, tu veux rester dans ta chambre? Interdiction de sortir jusqu'à nouvel ordre. Donc il est puni? Non, il est 3 fois puni. Et moi je suis 3 fois ravie, youhou! Punaise, 3 fois? C'est vraiment pas rigolo d'être ton frère. Attends, c'est pas tous les jours rigolo d'être une sœur non plus. Il faut avoir l'énergie, l'envie, les idées. C'est du boulot d'être une sœur tyrannique. Ouah, pardon, je savais pas. Bah c'est normal, vous les frères, vous passez votre temps à vous faire punir. Mais vous ignorez tout de l'énorme travail qu'il y a derrière. Vraiment? Mais oui, viens, je vais te montrer le monde impitoyable des sœurs, moi. Tu vois, Kafa, le boulot de sœur, c'est du 24 heures sur 24. Et pas question de relâcher la pression. Sinon, vous vous croyez tout permis. Kafa est avec l'alien? Mais... Il va se faire aliéniser la tête. Il faut que je le sauve. Capitaine Tom, en action. Ah non, pas cool. Pendant que vous dormez peinard le matin, nous les sœurs, on est déjà en train d'inventer le truc qui vous fera punir. Ah ouais? Une fois, j'ai fait croire que le microbe avait préparé un jus d'orange pour son papa chéri. Tiens. C'est pour moi? Oh, merci, Nina. Oui, un jus d'orange au vinaigre. Mais pas question de recycler la même idée 2 fois de suite. Faut imaginer du neuf tous les jours. Tiens. Le lendemain, c'était jus d'orange à la moutarde pour maman. Tiens bon, cafard, j'arrive! Oh là là, ces enfants. Capitaine Discrétion en action. Tom, dans ta chambre. Oh, mais maman, cafard est en danger! S'il te plaît! Bon, d'accord. Mais tu iras jouer avec ton copain.
Quand tu auras rangé les jouets qui traînent dans le jardin, fais la vaisselle et nettoyé la litière de Grippy. Hein, mais j'ai pas le temps. Faut que j'aille sauver Cafard. S'il te plaît, maman chérie, que j'aime plus fort que la super force de l'univers. Ok, chef. Et ça, c'est quand j'ai dit à papa que c'était Tom qui avait remplacé ses céréales par la nourriture de Flipper. Non, mais c'est quand même pas sympa pour Tom. Pas sympa? Vous les frères, vous comprenez rien. Au contraire, c'est une preuve d'amour. Ne crois pas. T'inquiète, Cafard. J'ai deux, trois trucs à faire et je viens t'aider. Résiste à l'alien. Hein? Je vais pas te plaindre, Nina. C'est les sœurs qui sont les plus pires. Je le sais, j'en ai une. Tu n'imagines pas les fléchettes que je dois éviter tous les jours. Les heures à supporter les épisodes de Capitaine Courage. Bah, c'est cool, Capitaine Courage. Et mes blessures de guerre. C'est cool, peut-être. Un jour, je me suis cassé un ongle pour récupérer la télécommande. Et ça fait trop mal. Non. Si. C'est un combat de tous les jours, la vie de sœur. Alors pour survivre, bah on n'a pas d'autre solution que de faire punir son frère. Tu comprends? Ah ouais, si j'étais une sœur, je ferais pareil. Enfin, je crois. Canard. Je peux t'appeler Canard, hein? Pour un frère, t'es différent. On dirait presque que tu comprends les sœurs. Alors je vais te montrer un secret. La caverne au trésor de la brigade anti-frère. Wow. Lunettes, doudous, jouets de frères classés par âge, poids et niveau de stupidité. Tout ça piqué par les membres de la brigade à leur petit frère. T'as raison, c'est carrément du boulot d'être sœur. C'est marrant parce que Tom aussi, il a une caverne au trésor avec tes affaires. Hein? Non, c'est pas vrai! Avec mon collier de perles de l'Overmove que je cherche partout! C'est fini, l'alien! Laisse mon pote tranquille! Ôte tes gros tentacules baveux de sa cervelle! Allez, viens, Cafard! Ce sera fini quand je déciderai que c'est fini. Ok, concentre-toi, Cafard! Les sœurs sont les plus... Les plus gentils. Mais non, les plus pires. Et les frères sont les plus... Les plus méchants. Oh, c'est pas vrai. L'alien t'a complètement tourné la cervelle. Mais non, c'est juste qu'en vrai, elle est sympa, tu sais. Et elle a de beaux cheveux. Et puis elle m'appelle Canard. C'est joli, non? L'aliénisation a commencé. T'es en train de te transformer en alien, Cafard, c'est méga grave. Ah bon? Tu crois? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On va se battre, soldat Cafard. Programme de décontamination d'urgence, go! Ok, pas d'alien en vue. Voilà le plan. Tu retournes chez toi et tu regardes 10 épisodes de Capitaine Courage non-stop. Compris? 5 sur 5, Capitaine. À plus. Attends! Faut que je t'escorte jusqu'à la sortie. Tu ne dois surtout pas entrer en contact avec l'alien. Aïe! Mais fais gaffe, Cafard! Bon, plus que quelques mètres avant la liberté. Tu pars déjà, Canard? C'est Cafard, pas Canard! Laisse-le partir, l'alien! Pousse-toi de là, Microbe! Faut que je parle à mon ami! Si tu approches encore un tentacule de lui, je t'atomise la tête et je te renvoie sur ta planète! Cours, Cafard! Je te
pour la survie des frères. Encore? Tu le fais exprès, Tom. Dans ta chambre jusqu'au dîner. Désolé, cafard, Tom est puni. Rentre chez toi maintenant. J'ai gagné l'alien. Dans tes rêves, microbe. Allez, j'arrête le jardinage pour aujourd'hui. Eh ben, c'est quoi tout ça? Ah ça, mon petit papa chéri, c'est la caverne au trésor du microbe. C'est drôle, il y a plein de bulletins de notes qu'il ne nous a jamais fait signer. Tom! Même pas eu besoin que cafard cafarde, j'ai trouvé toute seule. Personne ne gagne contre la pire des pires sœurs. Mon canard. Microbe, tu t'es vu dans une glace? Oh, j'ai un truc à vous montrer. Encore des bonnes nouvelles? Oh, tu as encore été puni. Ben, la maîtresse a insisté pour vous écrire un mot sur mon contrôle de maths. Chers parents de Tom, je tenais à vous informer... Il y a des solutions pour abandonner les enfants sans cerveau. Renseignez-vous à la déchetterie la plus proche. Que Tom a eu la meilleure note de la classe à ce contrôle difficile, félicitations! Youhou, 10 sur 10 en maths! Youhou! Youhou! Bravo, Tom! Ça, on peut dire que c'est une surprise! Et pour fêter ça... Pizza! D'accord, c'est bien mérité! Youhou! Je viens d'entrer dans un monde parallèle tout pourri. En plus, 10 sur 10, c'est la note maximum. Hein, plus la peine d'aller à l'école maintenant, cool. Oui, mais non. Désolée de gâcher ta joie, mon chéri, mais il en faudrait un peu plus pour que tu puisses te passer de l'école. Quoi? Ah oui. Tu veux dire que j'ai fait ça pour rien? C'était juste un accident. Ça veut dire qu'une seule bonne note, ça ne suffit pas à faire un petit génie. Pouah, bon, ça va, j'ai compris, je monte dans ma chambre. Je peux voir? Je suis sûre qu'il y a une arnaque quelque part. Chérie, on mange quand même une pizza ce soir. Le petit génie. Sa maîtresse s'est trompée. Ou alors Tom lui a fait du chantage pour qu'elle lui mette une bonne note. Alors, ça c'est bon, mais c'est hyper facile, ça compte pas. Et ça... coup de bol, il a de la chance. Et ça... c'est bon aussi. Et ça... mon frère a un cerveau. Au secours. Microbe, ouvre. J'ai un truc à te dire. Dégage, y'a personne. C'est pour te féliciter. C'est vraiment génial ce que t'as fait. Laisse-moi entrer. J'ai pas de temps à perdre avec des aliens tout moelleux. Je suis occupée. Allez, va jouer sur l'autoroute. Je te jure, aucune faute. Même au hasard, il aurait pas dû avoir tout bon. T'inquiète, c'est un accident, c'est sûr. Ouais, t'as raison. Il est pas devenu intelligent d'un seul coup. Aucune chance. Tom? Ouais, mais aussi, tu frappes à la porte exactement comme Nina. À table, la pizza est prête. Et ce n'est pas parce que tu as eu une bonne note que tout est permis. Je me demande bien à quoi ça sert alors. À réduire la corvée de vaisselle à 2 jours au lieu d'une semaine. Et estime-toi heureux. Et demain, tu seras revenu à ton niveau habituel, celui d'une flaque d'eau. 10 sur 10 en français cette fois, c'est qui le champion? Waouh, dis donc, je suis scotchée. Bravo Tom, c'est génial. C'est une blague en fait, hein? Apparemment non, c'est une vraie bonne note. Je pense que Tom mérite qu'on lève la punition d'hier. Quoi? Vous annulez les punitions maintenant? Vous avez pas le droit, c'est des années de travail qui s'effondrent. Calme-toi Nina, sois pas jalouse. Tom aussi est un petit génie apparemment. Il suffisait qu'il se mette au travail. Un petit génie? Je rêve! Alors, tu vois, je pourrais mettre une grande télé ici et la console juste en dessous. Ok, je connais très bien le niveau de ta cervelle molle, il y a un truc, c'est sûr. Dis-moi comment tu fais. Non. Je le savais, il y a bien un truc. Allez, l'alien, sors de ma chambre, j'ai des trucs à faire.
Et toi, Grippy, tu vas m'aider. Tu vas faire le chat de garde. Dis-moi ce que c'est ton truc, Microbe. Je dirai rien, tu peux me faire confiance quand même. Y'a pas de truc, je vais juste bricoler mon pistolet à chewing-gum et ça va me prendre tout le week-end, alors dégage. Comme il était mignon, déjà. Et si intelligent, déjà. Vraiment? Vous voulez que je vous rappelle ses exploits à l'autre cerveau en fromage blanc? Et voilà la dernière touche. Yaha! Ah ah ah, trop mignon. Quand il pense, c'est connu. Les génies ont souvent une enfance difficile. Ah, mais là, c'est pas difficile. C'est juste qu'il a pas de cerveau. Même s'il triplait ses capacités mentales. 0 × 0, c'est toujours 0. Ah, ça doit être ton cousin Francis. Il vient passer le week-end avec nous. Comme ça, au moins, tu seras pas toute seule si Tom reste enfermé dans sa chambre. Ok, donc là, c'est officiellement la fin du monde. Bonjour, tata chérie. Bonjour, tonton, tu vas bien? Bonjour, bonhomme. Bonjour, Nina, je suis contente de te voir. Salut, grosse naze. Vous voulez pas m'abandonner un orphelinat plutôt? Allez, Nina, fais un effort. Entre Tom qui devient grand et responsable et Francis qui est un exemple de politesse et d'éducation, tu es bien entourée pourtant. Allez jouer tous les deux dans la chambre. Ça, c'est moche. Ça aussi. Je pense qu'on peut faire un peu d'argent avec ces trucs-là. Qu'est-ce que tu fabriques, Morpion? On va les vendre sur Internet, les gens achètent n'importe quoi quand on leur fait des sourires. Rêve pas trop, tu vas dégager d'ici vite fait, j'ai assez de problèmes comme ça. Tu as des problèmes? Je peux peut-être t'aider. Oui, et je sais comment. Tu disparais et tu emmènes le soi-disant petit génie avec toi. Quel petit génie? Tu parles pas de ton frère quand même. Eh ben si, Tom est devenu super bon en classe, voilà. Tom? Tu parles de celui qui pense que parce que les pommes poussent sur un pommier, alors du coup les salades poussent dans les saladiers? C'est quoi ça? Tu manges juste Minus, pourquoi faire? Pas la peine d'être agressive, j'ai essayé un nouveau truc, c'est tout. Alors il est devenu bon d'un coup, premier de la classe même. Je vois très bien ce qui se passe. Tu vois quoi? Qu'est-ce que tu crois? Que les experts rendent service gratuitement? Eh ben dis-moi, comme ça je verrai bien si ça vaut le coup. Tes trucs, ça marche sur ton frère pas fini, mais pas sur moi. Si tu veux savoir, tu payes avant, c'est simple. C'est ça, rêve. Si c'est bidon, je reprends mon argent, je te préviens. Je suis un professionnel de l'arnaque, tu peux avoir confiance. C'est drôle ça, je l'ai déjà dit à Tom ce truc-là. Et ça donne pas confiance du tout. C'est très simple. Si Tom réussit tous ses contrôles, c'est parce qu'il... triche. Il y a plein de moyens. Les réponses écrites sur les doigts, dans des petits papiers cachés, sur des stylos dans la trousse. Bidon, tu me prends pour qui? Tom a trouvé une méthode géniale pour pas se faire prendre. Déjà, des idées, il en a pas beaucoup. Mais alors, génial, c'est pas possible. Rends-moi ça. Tom, Nina, Francis, à table. Suis-moi et regarde bien. Mais ça va pas, non? Je voulais juste te prévenir. Je sais que tu triches pour avoir de bonnes notes. Je me demande juste à quel moment je vais le raconter à tes parents. Qu'est-ce que t'en penses, Nina? Si c'est vrai, je pense que papa et maman vont enfin me débarrasser de toi définitivement. Mais l'alien, tu fais quoi, là? Tu t'es pas associée avec... avec lui, là? Oh, il faut aller manger. Allez, j'y vais. L'image de l'innocence, non? Mais je ne sais pas encore comment il fait. Ah, alors je garde mes sous. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. C'était très bon. Merci beaucoup, tata. Oh, tu es mignon. Mais tu sais, les pizzas, ce n'est pas moi qui les fais. C'est moi qui vais les chercher, c'est moi qu'il faut remercier. Alors, Tom, maintenant que t'as compris ce qu'il fallait faire à l'école, tu veux faire quoi comme métier plus tard? J'ai pensé que super ingénieur en super vaisseau de l'espace, ce serait pas mal. Ou champion du monde des présidents de la République. Mais oui, mon chéri, tu peux tout imaginer si tu travailles aussi bien. Tu pourras choisir le métier que tu veux. Président! Faut encore qu'on vote pour toi, c'est pas demain. Ne sois pas jalouse, Nina. Si ton frère est président, tu seras fière de lui. Et on rigolera bien en lisant ton livre, Mon frère, ce génie que j'adore.
Tais-toi, espèce de traître! Ne lui en voulez pas. Elle ne savait pas pour la télé qu'il fallait pas la laver avec plein d'eau. Quoi? Oh non! Oh non! Tu vois, Nina, c'est bien ce que je craignais. Nina, tu vas être privée d'argent de poche le temps de rembourser la réparation. Quoi? Mais... J'espère que tu vas te reprendre, ma chérie, parce que là, ça va pas du tout. N'oublie pas ce que tu me dois. T'es tout seul? Bon, ok, je t'ai payé ton info bidon, alors? Écoute, faut qu'on fasse équipe. Comme je sais pas comment il triche, je sais pas comment le faire prendre. J'ai besoin de ton aide, t'es content? Tu sais ce que je pense? Je pense que tu m'as pas bien regardé. Je vois pas pourquoi je l'empêcherais de tricher. Il a trouvé un truc super et j'ai bien l'intention de savoir ce que c'est. Pour faire pareil. Quoi? Mais ça se fait pas! Les gentils crétins premiers de la classe comme toi, j'en ai rien à faire. Tom est bien plus intéressant. Et ce soir, quand il aura compris que je suis dans son camp, il m'expliquera son truc génial. Hasta la vista, baby. En plus, les parents ont décidé qu'il dormait dans ma chambre. C'est horrible, lieutenant. Faut venir m'aider. Je peux pas venir maintenant. C'est bientôt la nuit. Vous allez tenir, capitaine. Une nuit, c'est pas si long. Je viens demain et j'ai une nouvelle arme de la mort qui tue. C'est vraiment super que t'aies été d'accord. Il n'y a que les gens exceptionnels qui peuvent comprendre. Comprendre quoi? Que j'ai mal au dos et que j'ai une toute petite couverture et que c'est tout pourri? Ben oui, le héros du coup c'est toi, comme ton capitaine Courgette. Ah ouais, je suis un peu comme lui du coup, hein? Voilà, tu te sacrifies parce que tu es le meilleur, et pas seulement à l'école. Tiens, à propos de l'école, si tu m'expliquais un peu... Pouah. Écoute, je vais te dire la vérité. Trop fort ce Francis. Nina, je peux savoir ce que tu fais debout à cette heure-ci, dans ta chambre, tout de suite! La vérité, c'est que tu vas me laisser tranquille, je suis devenue géniale, c'est tout! Tu vas pas t'en sortir comme ça, on en reparlera demain. Et t'as pas intérêt à ronfler cette nuit, sinon Monsieur Serpent va te faire ta fête! C'est moi la meilleure, pas lui! Madame, moi j'ai pas triché! C'est mon frère, oui. C'est pour ça qu'il est premier, bien sûr. Pas la peine de crâner, Morpion. Tu m'intéresses pas, j'ai pas besoin de toi. Combien t'es prête à me donner pour l'info? J'ai réfléchi. Maintenant que je connais la méthode, même si tu dénonces ton frère, ça ne change rien pour moi. Mais bon, si ça t'intéresse toujours, bien sûr. J'attends. Quel est ton prix? Très simple. Pendant un an, tu es mon esclave. Tu viens quand je t'appelle et tu fais ce que je te demande. Laver mon vélo, ranger ma chambre, des trucs faciles, tu vois. Ah non, mais tu rêves debout ou quoi? Je sais même pas pourquoi je discute avec toi. Je vais me débrouiller toute seule comme d'hab. Ah. Papa va faire quelques courses et moi je vais dans mon bureau, j'ai du travail. Je te fais confiance. Ne t'inquiète pas, je vais être un ange. Comme toujours. Qu'est-ce que c'est que ça? Et tu peux faire des loopings avec? Bon, j'ai pas essayé, mais je vous le prêterai si vous voulez. Bon bah merci, c'est gentil. Viens avec moi. T'as pas encore fait mon lit, le naze? Tes parents vont pas aimer si je me plains de toi. Mais bon, y a pire, quand Nina leur dira la vérité sur tes notes à l'école, par exemple. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je viens de lui parler, elle sait tout et elle a des preuves. Mais non, quelles preuves? T'as été hyper malin sur ce coup-là.
Ma méthode de triche, elle est super et elle marche pour tous les contrôles. Mais par contre, c'est du boulot. Comment elle a su? Je ne sais pas comment elle a su, mais je sais comment tes parents vont le savoir, eux. Ma méthode de triche, elle est super et elle Quoi? Marche pour tous les contrôles. Mais donne-moi ça! Que si tu m'expliques ton truc? Oh. Dis donc, Microbe. Francis dit que tu sais des trucs, mais ça sert à rien puisque c'est pas vrai tes trucs. Même s'il a fait semblant de savoir que tu sais, moi je sais que tu diras rien parce que c'est pas vrai ce qu'il sait que tu crois que tu sais. Je sais pas ce que tu fabriques avec Francis et ça m'intéresse pas. Mais je te jure que je vais te démasquer pour que justice soit faite et que tu sois puni à tout jamais. Ah, tu sais rien, je le savais. Je vais appeler Cafard et on va se débarrasser de cousin Francis ensemble. Parfait, appelle Cafard. Tu dis pas à Tom que j'aime bien tes BD, promis, j'aurai craché. Nous ne sommes pas là pour le moment, mais laissez-nous un message. Lieutenant Cafard, capitaine Tom, faut venir d'urgence m'aider à me débarrasser de la punaise mutante Francis. Terminé. Elle sait rien, et toi non plus. C'est moi le boss. J'avoue, c'est pas mal pour un minus. Bon, je suis ton cousin préféré, pas vrai? Bah t'es le seul surtout. Encore mieux, on est fait pour être alliés. Imagine si on fait équipe contre ta sœur. Même pas en rêve, l'alien sera jamais pire que toi. C'est ton dernier mot? Tant pis pour toi. Pour pondre en haute mer des dizaines d'œufs dans une eau avoisinant. Oui Francis, qu'est-ce que tu veux? La sardine aime le silence. En effet, rien, merci, Tata. Alors, Microbe, c'est quoi ton secret? On dirait qu'il recopie des trucs dans son cahier. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de... Je le crois pas! Il est en train d'apprendre ses leçons! Maître Renard, par l'odeur alléchée... Oh, sors d'ici, l'alien s'est privé! Je sais tout, Microbe. Tu apprends tes leçons. Tu diras rien, d'accord? Oui, mais explique-moi un peu comment tu fais. Bah, j'apprends mes cours par cœur, comme une chanson, tu vois. Incroyable. Du coup, quand la maîtresse me demande un truc ou qu'il y a un contrôle, eh ben, je le sais. Trop malin, non? Génial! Ça prend du temps. Mais bon, après, c'est comme un super pouvoir. Je sais répondre à plein de questions, comme le capitaine. Fabuleux! Ça fait du bien d'en parler, parce que ça m'angoisse un peu quand même. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, tu comprends, si la maîtresse ou les parents se rendent compte que je triche, ce serait pire que tout. Je serais peut-être chassée de l'école, tu vois? Ah là là, oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Tu prends un sacré risque. Pilote de fusée, conducteur de grue, goûteur de bonbons. Oh, tous ces métiers, si jamais on se rend compte que je triche, je peux oublier. Ah, Microbe, même avec ton minuscule cerveau, t'as compris un truc important. Ouais, je vais arrêter tout ça. Merci, l'alien. Mais de rien, j'ai rien fait, vraiment. C'est à moi, je veux le récupérer. Prouve-le que c'est à toi. Mais tu viens de me le prendre. Cool, c'est Cafard. Pendant qu'il occupe Francis, moi je fais disparaître l'épreuve. J'ai une idée, on va se venger du morpion, tu vas voir. Donne-moi ça, double nage. Mais c'est à moi. Attention, tu vas le casser. Laisse-moi cette télécommande ou bien je dis à ta mère ce que tu as fait. C'est pas vrai.
Il faut que je trouve un truc pour que plus personne me pique mon drone. Il voulait dire quoi à ma mère l'autre? J'ai rien fait en fait. Du poivre, du lait, de la graisse de poisson, du chocolat, de l'huile. Et un peu de dentifrice à la menthe pour le goût. Avec ça, on va plus le voir avant longtemps, l'horrible cousin Francis. Tom, Nina, où vous êtes? On te prépare une surprise. Tu viens dans 5 minutes, ok? Qu'est-ce que tu veux encore? Voilà, moi aussi je sais comment il fait. Fais quoi? Arrête de faire semblant, je sais que t'es au courant. Sa potion. Sa potion? Magique? Celle qui multiplie par 10 ses capacités mentales et qui le rend génial. Il la prépare dans sa chambre tous les jours en fait. Oui, oui, je le savais. Il t'a dit ce qu'il y a dedans? Ben non, il m'a rien dit. Je l'ai vu de loin avec la caméra. Mais il en a une bouteille pleine avec lui. Vite, le voilà. Je me promène. Je vais faire une diversion. Va lui prendre la bouteille. Ça marche. Ah, mais c'est Tom. Bonjour, Microbe. Qu'est-ce que tu fais par ici? Oh, bonjour, Nina. Eh ben, je me promène. Oh, eh ben, c'est bien. Oh, ben oui, c'est pas mal. C'est mon drone version 2.0. Il a plus d'hélices. Il a des roues? Non, rien. Bah, quoi ça sert alors? Bah, on peut filmer avec. Au moins, comme ça, on me le pique pas. Trop fort, je suis. Oui, non. Non, vraiment malade. Vous passez le chercher tout de suite? Parfait. Mais non, je sais pas ce qui lui est arrivé. Non, non, Tom et Nina vont très bien, eux. Ma vengeance sera terrible. 0, 0, 0 et des punitions, des devoirs à refaire. Mais qu'est-ce qui se passe, Tom? Vous êtes rassuré, non? Pourquoi ça? Parce que t'as de nouveau des mauvaises notes? Bah oui, comme ça, vous êtes sûr que je triche pas, au moins. Mon frère est le plus honnête des débiles. C'est ça le plus important. Tada! Merci maman, on va se régaler avec mes amis. Ça va être un goûter parfait. Ça sent le chocolat. J'en veux. Sûrement pas, Microbe. Pas question que tu viennes squatter mon goûter. C'est une réception raffinée pour mes amis. Tom, tu n'as qu'à inviter Cafard et je vous apporterai du gâteau dans la cabane. D'accord? Ouais! Merci, maman! Tu es trop cool! On va avoir du gâteau! Ouf. Ouais, Cafard, on va s'empiffrer du gâteau de l'alien! Dépêche-toi! T'as fini? J'ai un coup de fil très important à passer! Ouais. En privé! Capitaine Tom, ça sent la magouille intergalactique, ça! Agent Alien à chef suprême! Agent Alien à chef suprême! Chut! Tout est prêt, chef suprême! Hein? Avec mes sœurs Agnès Sergle et Solange Argle, nous allons imbiber le goûter de puissantes potions Sgurg comme prévu! Oui, oui, tous les terriens qui en mangeront se transformeront en aliens et rallieront notre cause. La grande invasion pourra alors commencer. Le goûter de l'espace. Incolore, inodore et sans saveur. Voilà une potion diablement efficace. Ma première victime! Griffy, tu es des nôtres maintenant. Salut Tom, ça roule? Oh, j'ai faim. J'ai pas pris de dessert, je me suis réservée pour le goûter. On l'attaque quand?
Suis-moi. Et tous les terriens se transformeront en aliens. Et en plus en esclaves. Tu vois? Mon pauvre Grippy, pour toi il est déjà trop tard. Adieu. J'ai pas le choix, il a été empoisonné. Je l'ai vu de mes yeux, c'est un alien espion maintenant. Les garçons, venez goûter, il y a tout plein de bonnes choses. Ah ouais. Non, on n'a pas faim. Bon d'accord. T'as pas écouté ou quoi? Tu veux devenir un esclave alien? Comme Grippy? Empêcher Raph d'être contaminé. Salut Raph, bienvenue à mon goûter. Salut Nina, sympa de m'avoir invitée. Bonjour les enfants, tout va bien? Oui maman, tout va bien, merci. Tu sais ma chérie, si tu veux rigoler avec tes amis, tu peux toujours appeler Papa Singe. Oh non, pitié, Papa Singe. Bah, t'as toujours adoré Papa Singe. Mais papa, c'était il y a 1000 ans. On va s'amuser tout seul, d'accord? Oh. Profitez-en pour regarder un film. Et nous laisser tranquille, enfin, vous reposer quoi. Bon, on passe au jardin pour le goûter. Salut Raph. T'as vu? C'est le dernier album de Capitaine Courage. Non, je peux lire. Ouais, bien sûr, viens dans ma chambre. Raph, quand tu auras fini de faire le bébé avec mon frère et son Capitaine Courage, tu nous rejoins dans le jardin, ok? Tu vas voir, il y a des aventures de folie. Ouais, ouais, plus tard, Tom. Serre-toi, Raph, je crois que tu adores le chocolat. Il passe, Raph. Zut, waouh, t'assures, tu viens jouer avec nous? Avec plaisir. Vous allez voir, c'est qu'il bosse. Cafard, t'es hors jeu là. Oh ouais, excuse. T'inquiète Nina, il nous rejoindra quand il aura fini de jouer. Non, je vais régler ça direct. Raph, au revoir. J'adore le foot. Non, pas le ballon. Bravo, vous avez cassé ma statuette aztèque. Désolée, je sens pas ma force. Et je ne veux même pas savoir qui a fait ça. Plus de ballons, confisqué. Oh, dommage, on s'amusait bien. Et si on buvait un petit rafraîchissement? Lieutenant Cafard, l'heure est grave. Une seule solution, celle du Capitaine Courage. La manière forte. Tiens, merci. Bingo, super tir. Si on leur dit que la nourriture n'est pas empoisonnée, ils nous embêteront plus. Pas question, pour qu'ils squattent mes amis tout l'après-midi. Tiens, Raph, c'est moi qui l'ai fait.
Non, c'est pas vrai. Concentre-toi, cafard. C'est pas facile tous les jours de sauver l'humanité, hein. La voie est libre. Le goûter. Qu'est-ce que vous faites avec mon goûter? Ben, on l'enterre. C'est ce qu'on doit faire avec les déchets toxiques. Pas vrai, cafard? Cafard! Mais c'est mon ventre aussi. Il a pris le contrôle de mon cerveau. Vite, recrache! Me laisse pas seule pour affronter le mal! Pas toi! Trop tard, mon ami! Achève-moi! Avant ma transformation ultime! Bien fait! En plus, tu l'as touché! T'es cuit, microbe! Hein? Non! C'est horrible! Je veux pas être un alien comme l'alien! Et comme moi aussi! Comme ça, au moins, on pourra combattre les terriens ensemble! Ça y est! Il est passé de l'autre côté! T'inquiète, j'ai l'antidote qui peut vous sauver! Ah bon? Je vous dis ce que c'est, mais tu me rends mon goûter! Allez, donne! Dis d'abord! Bon, ok, il faut s'enduire entièrement debout! Entièrement! Comment vous trouvez mon goûter spectacle? Pas mal, hein? Viens, Grippy, on va te sauver! Et voilà! Ça y est, on est guéri, mec! Ouais, et on sait comment combattre le mal! L'heure de la vengeance a sonné! Il a vraiment des jeux bizarres, ton frangin! C'est quoi ce délire? Plus jamais je reviendrai chez toi et ton taré de frère. Quelle ingratitude. Il y en a deux qui vont le payer très très cher. Bah tant pis pour lui. Papa, maman, je vous apporte vos parts de gâteau au salon. Oh non, les parents, elle va les transformer. À l'assaut. Oh, c'est très, très bon. Merci chérie. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Cet enfant va me rendre folle dans ta chambre! Avec un passage par la salle de bain et vite! On n'est pas bien là, entre filles! Claire! Ah, quelle belle journée! Parfait pour une grande mission! Dis adieu à cette planète, l'alien! Grâce à la poudre Nimbus Nikonus, aujourd'hui, tu disparais! Adios! Hasta la vista! Goodbye! Wow! Géant! Ta dernière heure est venue, l'alien! Avec la poudre spéciale Nimbus Nikonus, je vais t'exploser façon particule dans tout l'univers infini du monde intergalactique! Qu'est-ce que tu dis, microbe? Tu vas m'exploser, c'est ça? Ah oui, avec ta poudre pupus microbus! L'alien invisible! Non, Tom, sors de là! Tu vois bien que je suis en train de repeindre la cuisine, non? T'es pénible! Oui, je suis pénible, surtout pour les aliens! Bon, on va dire que le sucre, c'est tout pareil que la Nimbus Nikonus! T'es condamné à disparaître à jamais, l'alien! Hein? Ouais, bien sûr! Tu veux me faire disparaître? Bah tu vas voir, ou plutôt tu vas plus me voir. Non, microbe, invisible et en pleine forme. Mais c'est pas possible. T'es où? Devant toi, microbe.
Ta vie va devenir un véritable enfer. Capitaine, ta poudre n'extermine pas l'ennemi. Elle le rend seulement invisible. Bon, bah, au moins, je verrai plus ta tête d'envahisseur, c'est déjà ça. Je suis là, maman. Mais Nina aussi, mais en fait, non. Dis que je suis avec Solange et Agnès. Tu sais où elle est? Qui? Nina? T'inquiète, elle a pas disparu. Elle est dans la cabane en réunion avec ses copines aliens et elle veut pas qu'on les dérange. Parfait, parce que ton père et moi, on a besoin de calme pour travailler, d'accord? Bravo, t'es le meilleur. Ah oui, merci l'alien. Ah non, c'est moi qui te remercie. C'est trop bien d'être invisible, je peux faire ce que je veux. Tiens, je vais faire un tour dans ta chambre. Sors de là, l'alien! Ne touche à rien! Capitaine Courgette, je vais contaminer tous tes jouets de mes tentacules visqueux. Ne touche pas à ça! Ni à ça, ni à ça! Ni à ça, ni à ça! Surtout, prends ton temps. Montre-toi, l'alien! Oh bah non, je suis bête! T'es là ou pas? Parce que si t'es là, dis-le-moi. Enfin non, si t'es là, me le dis pas. Oh, tu m'embrouilles. Regarde-toi la banane. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Une nouvelle arme secrète? Maintenant que je suis invisible, je peux peindre plein de signes de ralliement alien partout dans le monde et déclencher l'invasion terrestre. Salut, microbe. Oh oui, et comment tu vas faire sans peinture? Tom, tu peux venir, s'il te plaît? Tu es désarmé, l'alien! Nina, c'est Nina qui a fait ça, t'es sûre? Je te rappelle que tu m'as dit que ta sœur était dehors avec ses amis. Alors tu vas commencer par nettoyer tes bêtises. Et puisque tu veux peindre, bah tu vas m'aider. T'as qu'à leur avouer que tu m'as rendu invisible. Je suis sûre que ça leur fera très plaisir. Voilà, papa, c'est tout propre. Et je fais quoi maintenant? Tu passes une couche sur ce bout de mur. Moi, je vais chercher des chiffons propres. Mais c'est très beau ce que tu as fait là, microbe. Passons à la vitesse supérieure. D'accord, l'alien. Je finis ça et je m'occupe de toi, vermine de l'espace. C'est grippy. Bon, admettons. Tiens, protège les bords des fenêtres. Tu devrais t'en sortir sans faire de bêtises, non? Je devrais te piéger, l'alien. Approche-toi de moi et tu tomberas rapidos dans mes rayons détecteurs. Oh, t'es trop fort pour moi. Enfin, tranquille. Ça vient? Alors Tom, ça va? Tu t'en mêles pas trop les pas? Oui, alors, oui, mais il faut regarder où vous mettez les pieds quand même. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Il se passe qu'il est privé de console pendant une semaine. D'accord, je vais tout vous dire. Bon, la vérité c'est que j'ai fait une bêtise. Merci pour cette précieuse information, mais ça on le savait déjà. Non, non, plus grave que ça. Nina est bien une alien, elle a avoué. Alors j'ai voulu la faire disparaître avec ma poudre spéciale Nivus Nikonus, mais ça l'a seulement rendue invisible. Voilà. Nina est invisible, c'est ça? Oui, oh, c'est cool que vous compreniez, j'avais un peu la trouille. C'est le plus énorme mensonge que t'aies jamais osé proférer. Un mois sans jeux vidéo et on est gentil.
magnifique. T'as plus besoin de moi. Tu t'enfonces tout seul. Attends, tu vas voir. Je vais faire venir tes copines et elles diront aux parents que t'étais pas avec elles. Et c'est toi qui seras puni d'avoir menti. Allô, Solange, c'est Nina. Tu peux venir chez moi avec Agnès le plus vite possible. Oui, c'est ma nouvelle voix pour tromper mon crétin de frère. Venez, je vous dirai tout. T'es vraiment trop fort, Tom. Ouais, je sais, je sais. T'es vraiment trop nul, surtout. Hé, hey, les filles. Oh, je suis là. Bah, qu'est-ce que tu fais? Qu'ils jouent à cache-cache toute seule? Bah, qu'est-ce qu'elles font? Pouah, ça empeste la peinture. Qu'est-ce que tu fais, Tom? Regarde qui est là, papa. Hein? Qu'est-ce que tu racontes encore? Hein? Oh. Allez, les filles, opération invisible. Hé, hey, Microbe, j'ai récupéré un peu de Minus Microbus. Ça a drôlement bien marché sur Solange et Agnès. Le cercle alien se referme sur toi. Salut, Microbe. Ta dernière heure est arrivée. T'es rien, crétin. Je sais comment vous faire réapparaître. Je sais que vous êtes la alien. Votre fin est proche. J'ai l'antidote anti-invisibilité. C'est ça, hein? Dans tes rêves, Microbe. Prends ça, l'alien. Ben alors, tu sais pas viser, Capitaine Courgette. Raté. Coucou, Microbe. Ah, Nina, tu es là. Oui, papa chéri, mais on préfère rester dehors pour pas te déranger dans tes travaux. Voilà, c'est presque fini, c'est du bon travail. Et voilà la dernière touche. J'ai fini par vous désinvisibiliser. Chérie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien là, je n'ai pas d'explication logique. C'est pourtant simple, papa. Je viens d'éviter un cataclysme de malade. Le plus énorme danger que la Terre ait jamais connu. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que ça mérite une punition énorme. La plus énorme que personne ait jamais connue. Bah enfin, Tom, faut vraiment que t'apprennes à te faire plus discret. Et même invisible. C'est pas juste. De la poudre que je te vois plus qui fait disparaître les humains. Tu vas vivre un cauchemar, l'alien. Et hop, invisibilité. À moi le film du soir. Non, Tom, qu'est-ce qu'on t'a dit? Au lit. Mais vous me voyez là? Un peu, oui, un peu. Franchement, mon frère, je l'adore. C'est le meilleur. Prends ça dans tes tentacules, alien baveux. On va t'atomiser. Hey, Capitaine Courage, ne crains rien ni personne. Capitaine. À moi, Tom. Derrière toi. Face de crapaud. Les petits malades. Il faut que je les pulvérise.
Qu'est-ce que tu fais, Tom? Arrête! Mais non, c'est des boutons aliens! Il faut les faire partir! Mais non, tu as simplement la varicelle. Donc, interdiction de sortir, tu restes au chaud aujourd'hui. Quoi? Trop nul! Et donc, tu ne vas pas non plus à l'école. Tu peux descendre au salon regarder des dessins animés toute la journée. Wouhou! Trop cool! Qui c'est qui va regarder la télé toute la journée? C'est moi, le microbe! Hein? Oh! Au secours! Bon, bah, vous avez tous les deux la varicelle, vous allez pouvoir vous tenir compagnie comme ça. Allez, je file. Comment passer du paradis à l'enfer en 2 secondes? Heureuse de gâcher ton bonheur, microbe. Pas juste coincé à la maison avec l'alien. Et une seule télécommande. Où tu vas comme ça? Travailler, j'ai des trucs super urgents. D'accord. 1, 2, 3, ciseaux. La pierre casse les ciseaux. Wouhou, j'ai gagné. Ok, je préviens le bureau. Bon, bah c'est moi qui ai l'immense privilège de vous garder, les petits malades. J'ai la microbe. Oh là, moi la hyène. Je l'ai prise avant toi. Non, c'est moi qui l'ai prise avant toi. Mais viens ici. J'ai la microbe. Viens ici. J'ai super chaud. Et voilà la tête. Et moi j'ai la télécommande. Oh là là, ça gratte. Bon, les enfants, vous êtes malades, alors chacun dans sa chambre et repos. Et exécution. Ça a marché. Oh, je suis trop fort. Papa, ça gratte trop. Je sais, mon bonhomme, mais essaie de penser à autre chose, hein. Ok, capitaine? Oh là là, les pauvres. La varicelle les a complètement crevés. Eux qui sont toujours à brailler, se disputer. Quel silence. Yes! À moi les jeux vidéo. Les jeux vidéo, ouais. Salut l'arienne, t'as vu? Tom a eu une super idée. Pour éviter de me gratter, j'ai mis des chaussettes sur mes mains. C'est trop bien, je pense même plus à mes boutons. Super, maintenant t'as les mains qui sentent les pieds. Tu peux te moquer, mais toi avec tes gros boutons, tu ressembles encore plus à un alien. Oh, ben c'est vrai Tom, on dirait le monstre alien de la planète Clafoutix. Même Raphaël aurait peur en la voyant. Bah, je vais te les faire manger tes chaussettes, microbe. Le monstre alien attaque. Pause, microbe. J'ai froid et ça tourne. Excuse l'alien, je vais te ramener au chaud. On pense à denter dans le troll. Ça va? Allez, repose-toi les tentacules. Je te fiche la paix. Monstre alien au repos. Je répète, Tom, monstre alien au repos. Le monstre alien mange un bouillon d'épinards. Ses boutons vont devenir encore plus gros. Pas trop près, Tom. Ces gros boutons peuvent projeter des boules de bave alien. Monstre alien droit devant, Tom. En même temps, on peut pas la rater avec ses gros boutons rouges. On dirait un sapin de Noël. J'ai des boutons, j'ai aussi de la fièvre. J'ai super chaud, puis d'un coup j'ai super froid. J'ai mal à la tête et aux cheveux. Mais le pire dans la varicelle,
C'est de supporter son frère 24 heures sur 24. Mais t'es qui, toi? Ben, le gros monstre alien en grand bouton rouge qui m'a retourné sur sa planète. Je veux plus, Solange. Varicelle ou pas, il faut que je fasse punir mon frère. Ha ha! Tenez, prenez ça, et puis ça, et puis celle-là, tu l'as pas vu venir, hein. Papounet. Oui, ma chérie, que se passe-t-il? J'arrive pas à me reposer, le microbe, il fait rien que m'embêter. Il me jette des avions en papier sur la tête. Mais c'est mes dossiers urgents, ça. Bon, bah, je te laisse travailler. T'as probablement mieux à faire que de t'occuper de ta petite fille malade. Mais non, 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 pas du tout, ma puce. Tom! Mais je te jure, papa, c'est pas moi les avions avec tes dossiers. Et en plus, tu te fiches de moi. Puni dans ta chambre et interdiction d'embêter ta sœur. C'est pas juste. Voilà, ma petite fille chérie peut se reposer maintenant. Moi, faut que j'aille travailler. Papounet, tu sais, je suis sûre que si je regardais des clips de l'Overmove, j'irais beaucoup mieux. Je suis pas sûre. Je te conseille plutôt de te reposer. Je comprends. Tu préfères jouer aux jeux vidéo plutôt que t'occuper de moi. Je demanderai à maman. Mon cœur fait boum, bébé. C'est bon. Quoi? Mais pourquoi tu as ta tablette, l'alien? Parce que papa a vu que j'étais très malade. Allez, va jouer avec tes chaussettes pourries, microbe. Bah moi aussi, je vais montrer à papa que je suis très malade. Super très malade, même. Capitaine malade, mode transpiration. Go! Oui, mon chéri. Mais... J'ai chaud, je suis tout en sueur. Oh là là, mon Tom, mais t'es tout bouillant. Tu veux de l'eau? Oui, aussi ton gâteau à la praline qui est trop bon. Pardon? Ça me donnerait un peu de courage pour combattre la maladie, comme Nina. Mais oui, bien sûr, mon chéri. Microbe, qu'est-ce que tu manges? Tu m'en donnes? Dans tes rêves, monstre alien impustule. Même contre une heure de tablette? Ok. Trop bon. Tu m'étonnes, c'est cool en fait, la varicelle. Et ça pourrait même être deux fois plus cool si on arrêtait de se faire la guerre des boutons. C'est moi. Alors, comment vont mes petits malades? Dans les dents, les trolls! Bien joué! Vos chambres sont nickel, mes petits chéris. Tu t'es fait avoir comme un débutant. Mais pas du tout, enfin, j'ai simplement rangé leur chambre, acheté leurs bonbons préférés, cuisiné trois gâteaux, pressé du jus d'orange frais et... Ouais, ok, je me suis fait avoir comme un débutant. Je vais te les renvoyer dans leur chambre, ça va pas traîner. Heureusement que je suis là. Bon, Tom, Nina, dans vos chambres, tout de suite. Oh, maman chérie, tu es là, enfin, d'accord, mamounette. Mais tu ne veux pas nous faire un câlinou avant? Tu nous as tellement manqué. Oh, mes pauvres petits chéris, vous avez l'air complètement patraque. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Oh oui, mamounette. Trop cool.